Parthenay, charmante cité médiévale, se situe en territoire picton, aux confins des pays de la Loire et de l'Aquitaine. Sous-préfecture des Deux-Sèvres, cette capitale de la Gâtine est arrosée par le Thouet. Regardons ensemble quelques monuments d'une beauté remarquable de cet art roman, Saint-Pierre. Avec son cavalier, son cloître, la tour de l'horloge, l'église Sainte-Croix, où sont enterrés les chevaliers Parthenay, l'archevêque, de gisants magnifiques. La flèche de Saint-Laurent, les remparts du château, la tour de la Poudrière et enfin cette Vaux Saint-Jacques, si merveilleuse, traversée depuis des siècles par tous ces pèlerins. Regardons ensemble ces maisons à colombage, cette Vierge noire, si célèbre sur le chemin des étoiles. Le symbole de Saint-Jacques. Regardons aussi ces superbes remparts, au fond la flèche de Saint-Laurent, puis la chapelle des Cordeliers. Arrêtons le pèlerin à Parthenay. Voici cette œuvre magnifique, créée par le sculpteur de renommée internationale, Étienne. Œuvre de bronze qui restera à jamais dans le millénaire et dans les esprits des Parthenésiens. Bonjour à toutes et à tous, et très heureux de vous accueillir à Parthenay, puisque comme vous le savez, l'année prochaine, nous allons organiser le millénaire de la ville de Parthenay. 2012 sera une année très importante, à Parthenay bien sûr, et puis aussi ailleurs, parce que nous aurons aussi le plaisir, les uns et les autres, de vous accueillir, vous qui avez déjà fait le pèlerinage de Saint-Jacques, et vous peut-être aussi qui êtes intéressés à le faire, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans.
En tout cas, sachez que Parthenay sera très heureux de vous y accueillir pour ce millénaire et particulièrement pour la semaine Jacquaire, puisque toute la ville de Parthenay va se mobiliser autour de cet événement particulièrement important sur le plan historique, bien évidemment, mais aussi, je dirais, important dans l'état d'esprit de nous, Parthenaisiens, qui sommes des gens conviviaux, sympathiques et surtout accueillants, puisque l'association Parthenay 2012 va fédérer tout au long de cette année l'ensemble des activités, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles notamment, autour de ce millénaire. Et vraiment, très sincèrement, du fond du cœur, je suis très heureux, en qualité de maire, avec tous mes collègues du conseil municipal, de vous souhaiter, par anticipation, la bienvenue à Parthenay.